beaucoup. On se retrouve pour la question du mercredi. Allez. Quel est ton arcane majeur préféré? Alors, j'ai toujours beaucoup de mal sur les questions de choix. Alors, j'aime tous les arcanes majeurs. C'est difficile de dire celui que j'aime ou que j'aime pas. Par contre, après, je vais me baser plus sur l'esthétique. Et là encore, c'est difficile de dire un choix parce que ça va dépendre des jeux utilisés. Sur certains jeux, je prends le Marie et le Tarot. Voilà, sur le Marie et le Tarot, l'Empereur, c'est mon arcane préféré de ce jeu. J'adore cette vision qu'a eu l'artiste sur l'Empereur. Sur le Vésicos Tarot, par exemple, ça va être le jugement. Voilà, je trouve les couleurs magnifiques. Je trouve cet arcane très très beau. Donc c'est vrai que ça dépend pas mal des jeux. Mais après, les lames que je vais regarder, pas en premier, mais que je vais aimer regarder dans les jeux, ça reste l'impératrice. Hein. La force. Voilà. Là, j'adore sur le dernier jeu que j'ai acheté, le Temptress. Voilà, la force est magnifique. J'adore cette interprétation. Alors, j'aime souvent les forces qui sont la force tranquille. Voilà. Celui-là aussi, très très joli. Même dans le Marie et le Tarot. Voilà, ces forces-là me plaisent énormément. Alors, plus que dans le Tarot de Marseille, où on a vraiment quelqu'un qui ouvre la gueule d'un lion ou d'un animal, ça j'ai un petit peu plus de mal sur ces illustrations-là. L'impératrice, une de mes préférées, c'est celle-ci. Voilà, je trouve magnifique. Hein. Dans le Shadowscape, elle est très jolie aussi. Dans le Crystal Vision Tarot, voilà, très très belle aussi. C'est vrai que j'aime bien aussi cette arcane. Voilà, ben voilà pour la question du mercredi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.